Heureuse d'être parmi vous pour vous présenter ce journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Le président de l'Assemblée nationale, Touquet Justin, a été ferme ce jour lorsqu'il s'est adressé à tous les députés lors de la remise de l'écharpe de parlementaire au député de l'Irmar, élu en Tananarive. Les députés qui portent l'écharpe parlementaire se doivent d'être des modèles. Les députés doivent respecter le peuple, car c'est ce dernier qui les a mis leur place. Le président de l'université d'Itas a découvert que deux jeunes usurpateurs d'identité ont composé au baccalauréat selon le rapport du commandant de compagnie de la gendarmerie de Mirnarive. Ces jeunes venant d'Antananarive avaient remplacé deux candidats habitant à Swarnanjin. Rubrique sport, karaté do. Le président de la Fédération malgache de karaté do a annoncé que les pratiquants de la discipline participeront à de nombreuses compétitions internationales. Cette année, les athlètes déjà membres de l'équipe nationale se préparent activement à cet effet. Madagascar est encore en pleine lutte contre la criminalité forestière actuellement, les modes opératoires des trafiquants ayant évolué. Néanmoins, les forces de l'ordre parviennent à arrêter de plus en plus de trafiquants, et cela avant qu'ils n'arrivent à faire sortir clandestinement les ressources du pays. À la une de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Touquet Justin, a été ferme ce jour lorsqu'il s'est adressé à tous les députés lors de la remise de l'écharpe parlementaire aux députés de l'Irmar élus à Antananarive. Les députés qui portent l'écharpe parlementaire se doivent d'être des modèles et légales pour remettre en valeur l'institution de la Chambre basse. Les députés doivent respecter les peuples car c'est le peuple qui l'ont mis à leur place. De son côté, le vice-président de l'Assemblée nationale élu à Antananarive, Augustin Djemananour, de dire que cette écharpe qu'il porte est un serment entre les députés et le peuple. Il a souligné que c'est le moment où il doit rendre le service à Antananarive. Sura Pardon, Nefetja Djemanazar. Ils sont 8 députés issus de l'Irmar, à avoir été élus dans la province Antananarive lors de dernières élections législatives. Ce jour a eu lieu la cérémonie de remise de l'écharpe de parlementaire à ses députés. Razafnarivu Augustin, Sulmavambaoka, Vofi, dit Tawam district Antananarive, Volon. Lors de cette cérémonie de ce jour, le président de l'Assemblée nationale, Touquet Justin, a pointé du doigt le comportement des députés envers le peuple qui les ont élus. Augustin Djemananour, vice-président de l'Assemblée nationale élu à Antananarive, a souligné qu'il était temps pour eux de commencer à s'acquitter de leur redevabilité envers la population d'Antananarive. Le président du Sénat, le général Ravalman Richard, quelques membres du gouvernement, des députés nouvellement élus, le gouverneur d'Analamang et le représentant du PDS de la ville d'Antananarive ont assisté à la cérémonie de ce jour. Le président de l'université d'Itas a découvert que deux jeunes usurpateurs d'identité ont composé au baccalauréat selon le rapport du commandant de compagnie de la gendarmerie de Mirnarive. Ces jeunes venant d'Antananarive avaient remplacé deux candidats habitant à Swarnanjin. Ils étaient munis de fausses cartes d'identité scolaire. L'un a été payé 200 000 ariars et l'autre 100 000 ariars pour composer à la place des vrais candidats selon leurs affirmations lors de leur enquête sommaire d'après toujours les informations émanant de la compagnie de gendarmerie de Mirnarive. Les détails avec Anchar Alarsou et Omega Ranevson. La session du baccalauréat en cours avait commencé sans incident,
depuis lundi dernier pour la région d'Itasse, mais pour le second jour, c'est-à-dire hier, le président de l'université de cette région a détecté une situation anormale dans le centre d'examen de l'école primaire publique de Suavnajin, selon le rapport du commandant de compagnie de la gendarmerie de Miarnariv. En effet, deux candidats s'étant comportés bizarrement avaient éveillé les soupçons du président de l'université d'Itasse. Après vérification de leurs pièces d'identité, ces deux jeunes, une fille et un garçon, ont été reconnus comme étant des usurpateurs d'identité. Ils avaient sur eux de fausses cartes d'identité scolaire. Suite à des enquêtes, les responsables ont découvert que ces jeunes usurpateurs étaient venus d'Antananarivo pour remplacer deux candidats habitant à Ampif et à Tsaramasuanj. Ils ont passé l'examen du bac série A2 au centre IPP Suavnajin depuis le début. Lors des enquêtes sommaires, les suspects ont déclaré que le garçon était engagé par un individu pour une somme de 200 000 ariages pour passer l'examen à la place du véritable candidat et que la fille l'a été pour remplacer la candidate concernée pour une somme de 100 000 ariages. Après vérification, ces jeunes usurpateurs ont été arrêtés sur le champ et conduits au commissariat de sécurité publique de Suavnajin, puis gardés à vue pour nécessité d'enquête. Et je vous disais en titre, Madagascar est encore en pleine lutte contre la criminalité forestière. Actuellement, les modes opératoires des trafiquants ayant évolué. Néanmoins, les forces de l'ordre parviennent à arrêter de plus en plus de trafiquants et cela avant qu'ils n'arrivent à faire sortir clandestinement les ressources du pays. Un atelier national de lutte contre le trafic forestier et les exploitations illicites est organisé actuellement, le but étant la recherche de solutions pour faire face au trafic forestier à Madagascar, ainsi que pour lutter contre les crimes liés à la destruction de l'environnement. Elisa Herman et Eric Ranefsa. Des réseaux de malfaiteurs de grande envergure se trouvent derrière les cas de trafic forestier survenus à Madagascar ces derniers temps. Pour ne pas se faire prendre, ces réseaux ont recours à différents stratagèmes qui évoluent sans cesse en fonction des circonstances. Actuellement, ces réseaux commencent à étendre leur activité sur les réseaux sociaux. Néanmoins, les arrestations de trafiquants et de leurs complices se multiplient, et cela avant que les ressources de Madagascar ne puissent être sorties du pays. Une diminution des cas de trafic forestier a même été enregistrée pour cette année. L'objectif étant de démanteler les principaux réseaux qui sont derrière ce trafic. Un atelier national de lutte contre le trafic forestier et les exploitations illicites a été tenu en vue de la recherche des solutions pour lutter contre ces trafics forestiers à Madagascar ainsi que contre les crimes liés à la destruction de l'environnement. Plusieurs acteurs ont participé à cet atelier, tels que les représentants de la police nationale, ceux d'Interpol, ceux du ministère de l'Environnement et Développement Durable, ceux du ministère de la Justice, ceux du ministère délégué en charge de la gendarmerie, ceux du SAMIFIN, ceux du PAC, ceux du CIS et ceux des douanes. La population du district de Voipé nous souffre d'un problème d'approvisionnement en eau. Certains quartiers ne sont pas desservis en eau pendant 3 mois d'affilée dans une année. À part la vétusté et la faible capacité du réservoir existant, le problème de la pureté de l'eau doit être pris en compte d'après les précisions. Des travaux s'imposent donc pour résoudre ce problème d'approvisionnement en eau dans le district de Vouipé. La capacité du réservoir d'eau disponible dans le district de Vouipé n'est seulement de 50 mètres cubes. Or, le besoin quotidien en eau de la localité atteint actuellement les 200 mètres cubes. Aussi, de nombreux quartiers souffrent d'un problème d'approvisionnement en eau. La population se plaint des impacts de cette insuffisance en eau. Les quartiers éloignés des réservoirs d'eau sont même victimes d'une pénurie d'eau qui dure presque 3 mois d'affilée dans l'année, selon les précisions. La vétusté des infrastructures existantes, notamment les systèmes d'alimentation en eau, en plus de la faible capacité du réservoir, sont à l'origine de ce problème. À part cela, la qualité de la source d'eau laisse à désirer. De nombreuses familles viennent également faire leur lessive près de la source, ce qui a un impact sur la qualité de l'eau qui va être exploitée. Ainsi, des solutions et des mesures doivent être prises, selon le député élu dans cette localité.
des études techniques afin d'augmenter la capacité de production et le remplacement des systèmes existants seront réalisées afin de résoudre dans les plus brefs délais le problème d'approvisionnement en eau de la population. En outre, des travaux de réhabilitation du terrain municipal de Vuipen s'imposent. Étant le seul terrain qui peut accueillir des événements de grande envergure dans le district, sa réhabilitation est urgente. Inutilisable depuis près de 10 mois, le terrain est dans un piteux état. Avant le lancement des travaux, un assainissement auquel la population locale et les autorités ont participé a été entrepris sur place, ceci afin d'accélérer les débuts des travaux, selon les précisions. Rubrique sport, karaté do. Le président de la Fédération malgache de karaté do a annoncé que les pratiquants de la discipline participeront à de nombreuses compétitions internationales cette année. Les athlètes déjà membres de l'équipe nationale se préparent activement à cet effet. La sélection des nouveaux athlètes à travers les compétitions nationales est également déjà en cours. Romière Manana et Fechange Mananzar. Le planning de la Fédération malgache de karaté do est bien rempli cette année. En plus des rassemblements et des entraînements déjà réalisés, tous les combattants de la Grande Île participeront à la compétition Défi Betsleo, qui figure au programme de la Fédération du 8 au 11 août. Cette compétition concerne toutes les catégories, y compris les combattants qui font déjà partie de l'équipe nationale malgache. De plus, le championnat national de Madagascar, à travers lequel seront sélectionnés les combattants qui représenteront Madagascar aux compétitions internationales, se tiendra à Toulliage en novembre à l'échelle internationale. Les catégories cadets, juniors et U21 participeront au championnat d'Afrique en Tunisie du 2 au 8 septembre. Par ailleurs, ces catégories participeront également au championnat du monde en octobre qui se déroulera en Italie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour la version malgache avec Mika Rajiboulas. À tout à l'heure.